Bonjour à tous. Cette semaine, dans le Journal des Sports, je propose de vous envoyer à quelques mètres de hauteur. Deux perchistes de l'US Torcy Athlétisme vous montreront le renversé, un geste en or qui fait toute la différence. Et puis, les handballeurs de Torcy n'ont pas tremblé face à Tremblay en National 2. Un choc au sommet remporté par les Seine-et-Marnais, troisième du groupe contre le co-leader. Vous verrez l'essentiel de la rencontre. C'est un match raté sur le score et la manière n'y est pas non plus. Les handballeurs pontellois se sont nettement inclinés ce week-end contre Bière. Valence et Besançon perdent également et Strasbourg était exempt, donc finalement rien ne change en bas de tableau. Les jaunes et bleus sont toujours avant-derniers et barragistes pour sauver leur tête en Pro D2. Samedi soir, l'équipe se déplace à nouveau du côté de Mulhouse, deuxième ex-aequo du championnat. C'est la bonne surprise de la saison. Les joueurs de Benjamin Faduil pointent à la troisième place de National 2. Avec la réception de Tremblay, ils ont fait tomber l'un des deux co-leaders du championnat. Cette large victoire, 38 à 29, reflète bien la mainmise des Torcéens sur la rencontre. Regardez. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Cette saison, l'objectif des Torcéens, c'était d'être dans les 5 meilleurs de la poule. Finalement, les voilà à se battre pour la montée. À la troisième place, derrière deux équipes à égalité, les Rouges et Noirs avaient absolument besoin d'une victoire pour y croire encore. Et l'entraîneur fait partie de ceux qui y croient encore grâce à une équipe soudée. C'est un groupe énorme, quoi. Donc, c'est des mecs qui vivent bien ensemble, c'est des bosseurs, c'est des mecs qui trichent pas. Donc voilà, le résultat, il est que peut-être qu'on n'a peut-être pas la meilleure équipe du groupe, qu'il y a des équipes qui sont derrière nous avec peut-être plus de potentiel, mais dans ce qu'ils sont capables de donner tout le temps, voilà, le résultat, il est là, quoi. La rencontre commence par des cartons jaunes et le ton est donné. Ce sera un match viril d'un côté comme de l'autre. Les premiers à marquer, ce sont les locaux lancés par Frédéric Peter. Le jeu est tendu et ça se dispute au tableau d'affichage. Après une bonne dizaine de minutes, Laurie Grignoux lance ses coéquipiers et Torcy commence à prendre un peu d'avance. Un petit pécule de 5 buts d'écart, confirmé par Cédric Rambure juste avant la pause. Au moment d'aller au vestiaire, Torcy est en confiance, peut-être même un peu trop. Je sais pas si la fin de mi-temps... on se congratule, c'est pour repartir de plus belle, ou si c'est parce qu'on pense que le match est fini. On est d'accord, là ça repart de plus belle. Dans le rythme et tout ça. On pousse les gars. Après quelques minutes de corps à corps, Torcy s'envole et pendant une longue disette de 6 minutes, Tremblay reste muet en attaque au point de tout rater. 6-0, impressionnant, mais un score qui se clôture par un avertissement contre l'entraîneur et une disqualification immédiate contre Benoît Tony, le capitaine. Malgré tout, l'équipe garde son avantage et s'impose de 9 points juste sur le coup de sifflet final. Très beau match, beaucoup d'engagement physique, c'était ce qu'on s'était dit. Il fallait mettre beaucoup d'engagement en défense, ce qu'on a fait, plutôt proprement. Après, en attaque, on a joué vite les montées de balles et on a été patient en attaque placée. Donc c'est vraiment ce qu'il fallait faire et on l'a bien fait. Donc c'est un très beau match de l'équipe. Une belle récompense qui garde au chaud le petit espoir de monter. Il ne reste que 2 matchs dans le championnat et le prochain sera décisif pour les 3 équipes en tête de classement. Cette victoire n'est pas la seule bonne nouvelle de la soirée pour Torcy. L'autre leader, Folchwiller, est tombé face à Nogent et donc les Seine-et-Marnais se rapprochent de la tête du championnat. Et ce n'est pas fini, lors de la prochaine journée, le 9 mai, les deux leaders vont s'affronter. S'il n'y a pas de match nul, Torcy pourrait être non plus troisième, mais deuxième ex-aequo avec le perdant. Mais pour cela, les Torcéens devront bien sûr l'emporter contre leur adversaire du jour, ce sera Metz. Vos deux équipes de National 3 l'ont emporté ce week-end, Lagny face à Vitry et Ponto contre la Lanterne Rouge, Beauvais. Pour l'avant-dernière journée du championnat, Ponto recevra Puteaux et Lagny se déplacera à Calais. Se propulser au bout d'une perche à 4 ou 5 mètres de hauteur, ce n'est pas si facile, mais les champions ont leur technique, le renversé. Qu'est-ce que c'est et comment ça s'apprend ? Éric et Romain vous disent tout sur ce geste en or.
Bonjour, moi c'est Eric, je vais vous présenter mon geste en or au saut à la perche. Un des gestes le plus technique à la perche, c'est le renverser pour sauter le plus haut possible. Le saut à la perche, il y a trois phases, c'est l'impulsion, après le renverser et le franchissement de la barre. Quand on débute à la perche, une des premières choses qu'on apprend, donc, c'est à sauter en manipulant la perche sans se renverser. Ensuite, petit à petit, on se met dans la technique et surtout le renverser. La première difficulté, c'est déjà l'appréhension de l'espace arrière. Quand on se renverse, c'est comme le saut en hauteur également. Quand on se renverse, c'est l'espace arrière, on ne sait pas où on va, donc c'est vraiment des sensations à sentir et il faut s'engager, quoi. Il y a tout un tas de petits exercices qu'on peut faire en gym, des saltos arrière, des appuis tendus renversés ou sur une barre fixe des renversés où là on sent qu'on se retourne, qu'on met la tête en bas pour sentir justement se renverser. Et puis ensuite c'est en sautant, en essayant de mettre des fils ou des barres beaucoup plus haut que c'est son record, dans le but d'aller chercher le fil avec les pieds, donc mettant les pieds en l'air, la tête en bas, et ça, ce qui permet d'appréhender ce mouvement qui n'est pas anodin, qui n'est pas simple. Un mauvais renversé, c'est que au moment où on renverse, on est un petit peu en retard dans le temps de perche, on appelle ça. Et dans ce cas-là, on sort de la perche et on fait, au lieu de monter à la verticale, on va vers la barre. Donc on sort de la barre, de la perche et on va taper la barre ou on monte moins en fait. Entre un bon perchiste et un perchiste moyen, la grosse différence, ça va être la technique et essentiellement sur le renversé. C'est un des éléments primordiaux qui permettent de définir le niveau d'un perchiste. Donc c'est une technique qui s'apprend et qui se perfectionne tout au long de la carrière d'un perchiste. C'est le chiffre de cette semaine et c'est le nombre d'équipes qui ont bouclé leur marathon ce week-end à Ponto. C'était un équidène et donc des groupes de 6, soit 534 coureurs et coureuses. Les meilleurs ont bouclé les 42,195 km en 2 heures, 18 minutes et 46 secondes. Et voilà, c'est terminé pour la Fédérale 3. Les rugbymen de Ponto se sont inclinés de 10 points sur la pelouse de Vincennes pour la dernière journée du championnat. Les hommes de Jean-Mix avaient assuré leur maintien, ils finissent dernier non relégable. Une déception pour une équipe qui espérait en début de saison jouer les phases finales du championnat. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour vivre ensemble cette fin de saison. À lundi!